De broderie anglaise, comme vous savez, depuis quelques temps, euh, je commande sur internet sur un site spécifique euh, une revue anglaise euh, que j'adore. Euh, je ne d'ailleurs, je, je n'achète plus de revues françaises parce que ça n'a strictement rien à voir. Euh, les, je trouve que les revues françaises, déjà, c'est toujours un peu pareil. Et il a vu le prix de la revue, il n'y a pas énormément de broderies, de modèles dedans. Euh, donc j'ai complètement arrêté les revues françaises. Puis je vous dis de toute façon, elles sont devenues hors de prix. Euh, donc voilà. Bon, là, bien sûr, je paye quand même un tout petit peu plus cher, mais c'est normal puisqu'il y a les frais de port. Euh, mais j'en ai pour mes sous. Voilà, on va dire comme ça. Donc là, c'est euh, la revue du mois d'avril. Oui, euh, on les a euh, bien à l'avance euh, chez eux. Donc voilà, ça, c'est la pochette papier. Donc vous le recevez euh, dans une pochette, euh, dans, euh, oui, dans, dans une enveloppe plastique euh, noire. Voilà. Euh, donc c'est super bien protégé euh, le temps que ça arrive et ça arrive assez vite. Hein, entre 8 à 10 jours. Euh, vous recevez votre revue. Alors, hop. Ça, la pochette, moi, je ne la garde pas. Alors, on, dans ce, ce que j'aime bien dans cette revue, euh, on se mettra face-bureau après. Hein. Ce que j'aime bien dans cette revue, c'est que l'on a toujours un cadeau. Un hein, ou deux cadeaux. Euh, voilà. Et cette fois-ci, euh, ça va être une mini mini comme ça. Euh, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la taille encore, mais bon, enfin, je sais que c'est une mini broderie. Euh, qui va faire porte-clés. Voilà. Donc, voilà le cadeau. Un joli petit porte-clés avec une broderie papillon. Donc c'est un truc qui va aller vite fait à, à broder ça. Euh, voilà, et on a un deuxième cadeau que je vais vous montrer également. Allez, on va se mettre face bureau, comme ça vous verrez beaucoup mieux ce que je vais vous présenter. Voilà, alors je vais d'abord vous montrer ben, le premier cadeau. Alors on va l'ouvrir. Je ne l'ai pas du tout ouvert, je l'ai reçu euh, avant ce week-end, je sais, vendredi, je crois, vendredi ou samedi, je ne sais plus. Mais je ne l'ai pas ouvert, hop là, ou là, je, je perds des pièces, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Non, alors on va avoir bah déjà le porte-clés. Voilà, donc on va avoir une pièce comme ça, un peu en forme de fleurs, on va avoir un rond comme ça. Voilà et on a la fleur donc elle je pense euh, qui va arriver euh, derrière comme ceci voilà ça va être pour fermer et ça euh, j'ai pas encore regardé du coup mais je pense que c'est ce qu'on va mettre derrière la broderie on a aussi un anneau un petit bout de chaînette voilà et un anneau euh, ouvert voilà il est déjà ouvert qu'il faudra euh, refermer. Hop. Ensuite, on a les fils. Bon, là, ils sont, euh, j'ai mal retiré. Hein. <laughs> ils sont un peu partis en vrac, mais c'est pas très grave. Hop, je vais bien les remettre. Ça va vite. Voilà. Hop. Donc, voilà les couleurs. Yeah. Du rose, violet, euh, du noir, du orange, du turquoise et du jaune. Voilà. On a un petit bout de toile. Voilà, je vous montre de près si ça veut. Voilà. C'est une Aïda, donc c'est une 14CT. Voilà, de, de, de bonne qualité. Hein. On a également ben, la grille. Voilà. Des petits papillons et derrière on a les couleurs voilà et quelques explications alors ils nous disent qu'il faut deux heures pour le faire voyez donc euh, le soir devant la télé ou enfin, en une demi-journée ce sera fait hein, le temps de broder de monter le voilà tout sera fait et c'est un... Ah, ben, un modèle de durand jones voilà allez bon tu vas zoomer, vas zoomer, vas zoomer. Voilà, du Red Jones. Et là, le modèle a été brodé par Karen Purnell. Voilà. Hop, Je vous redézoome. On va tout remettre dans la petite enveloppe pour ne rien perdre. Ah, bah, décidément, mes fils. De toute façon, je vais les mettre sur un trifil, comme je fais d'habitude avec ces modèles-là. Je prends les petits tri-fils de Sabine j'en ai j'en ai, ai gardé j'ai un trifil que j'ai consacré euh, aux broderies anglaises voilà je vais refermer comme ça je ne perds rien euh, voilà deuxième cadeau le voici alors c'est une grille euh, à broder il a été des, des, oh, des, Bon, dessiné voilà <laughs> c'est plus simple <laughs> Il a été dessiné par Joanne Aston. Voilà, s'il y en a qui connaissent. Alors, hop, la grille, je vous la montre vite, mais malgré que c'est un cadeau. Hop, 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 hop. Voilà. Euh, on a derrière euh, toutes les couleurs que l'on va avoir besoin pour broder ce modèle.

euh, 33 toujours. Je regarde parce que des fois il y a des il y en a qui se remettent. 33 alors 34. voilà 34 ça je l'ai vu passer. 34 bon alors il où? 35. Il y a 35 couleurs en tout. Donc vous allez faire du point de croix. Euh, là, c'est quoi? Ah, alors du point de croix avec deux fils, donc normal du point de croix avec un fil. Euh, oh, elle cross, c'est demi-croix. Je crois, c'est de la demi-croix euh, avec deux fils, et on a de la demi-croix avec un fil. Le point arrière avec un fil et il y a du point arrière avec deux fils et du point de nœud. Voilà. Donc cela est bien complet et il vous faut 70 heures environ pour le pour le broder. Voilà. Donc là, il propose de le faire sur une Zegart 28 count blanche even weave qui mesure 40 sur 43 cm voilà et le dessin euh, je pense attendez ça veut dire quoi ça c'est le dessin terminé je crois que c'est le dessin terminé avec un minimum ouais je crois que c'est ça 23 et demi sur 27 cm voilà si je me trompe pas c'est ça Bon, puis après, vous avez des explications. Euh, voilà. Donc voilà, un des... Voilà. Et je vous remontre le dessin. Donc un joli, euh, un petit port, on va dire, en bord de mer. Bon, les ports souvent sont en bord de mer, hein, mais... <laughs> Quand il y a une connerie à dire, je suis là. Hein, vous inquiétez pas. Euh, voilà. Donc ce sont les deux cadeaux que l'on a. Oui, vous avez vu. Alors, euh, rien à voir avec la revue. Euh, la société Achète. Donc vous savez Achète collection. Mais euh, celle qui est en Angleterre sort une, une nouvelle collection. De, vous savez, un peu la collection comme euh, Disney au point de croix, tout ça là. Mais là, ils sortent une nouvelle collection euh, sur Pierre le Lapin. Pierrot le Lapin, c'est Pierre ou Pierrot Je sais plus. Enfin bon. C'est Petit Lapin, là. Euh, donc, ils il sortent une collection euh, juste sur lui. Donc, je ne sais pas combien de numéros il va y avoir et tout. Il faut que je me renseigne. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas prévu de le sortir en France. Euh, donc, je sais que... Bon, même moi, j'aime beaucoup hein, euh, Peter Rabbit. Oh, l'accent Oui, youpi <laughs> euh, J'aime beaucoup et là, par contre, je suis un petit peu déçue qu'ils ne le sortent pas en France. Alors, un petit conseil, les filles. Allez sur la page Facebook de Hachette. J'essaierai de regarder s'il y a le lien si, pour que je vous le mette. Et on va tous aller demander que cette collection sorte en France. Parce qu'ils ne l'ont pas prévu du tout, du tout, du tout de la sortir en France. Et euh, je trouve ça un peu euh, dis, discret. Oh là là, je... désolant. Voilà, c'est pas ça que je voulais dire, mais euh, pourquoi les Anglais et pas nous, les Français Voilà. <laughs> Donc, allez tous mettre un message euh, sur Hachette ou même un message privé. Euh, voilà, pour que l'on ait la collection en France. Voilà. Plus on sera nombreux et nombreuses à réclamer, ça les fera peut-être bouger. <laughs> Mais ils ne veulent pas le faire en France. Je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà. Et le Peter Rabbit, c'est une création de toute façon de Béatrix Potter, qui est très, 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 très connue. Voilà. Euh, et je sais. Que... Alors, dans la collection, il va y avoir quatre broderies d'offertes. Enfin, bon, ça va être sur plusieurs numéros, je crois. Je n'ai pas, pas regardé tout en détail. Ça va être sur plusieurs numéros. Euh, donc, en tout, à la fin, ça va vous faire trois broderies. Et il y en aura une sur euh, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Avec tous les petits lapins. Voilà. Tous les petits rabbits. Et il y aura d'autres cadeaux. Tout ça. Il y a plein de, de broderies. J'ai pu voir dans ces revues. Voilà. Euh, donc, allez tous laisser un message chez Hachette pour qu'ils nous sortent cette collection en France. Voilà. <laughs> allez maintenant on va regarder ce cette revue du mois d'avril alors attendez je vais essayer de me mettre le plus droit possible voilà bon là c'est la page d'accueil hein, comme toujours ici c'est ce que l'on va retrouver dans la dans la revue on a notre petite souris du mois voilà. Donc, c'est la 342 e souris. Après que je, je me mets à les broder. Voilà. Ici, vous avez la page explicative euh, pour le, le cadeau. Voilà. Le petit porte-clés papillon. Donc, comme ça, si vous les retrouvez... Puisque sur la fiche, c'est pas marqué. Mais ici, vous retrouvez les références... Euh, DMC en char ou encore... Je, sais, je crois qu'on dit en chor hein, je ne sais pas. Et euh, Madeira. Voilà. Bon, de la pub. Là, on vous explique comment euh, couper, euh, voyez, pour euh, couper le rond pour mettre euh, dans le porte-clés. Je vais y arriver. Oh, bon, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Et voilà notre petit rabbit. <laughs> en plus, il est trop mignon sur ses livres et puis en train de lire là, il est trop chouette. Euh, alors, ils disent qu'on peut le faire en 25 heures environ. Donc, il est très, très beau. Alors, là, c'est la grille. Donc, je ne vais pas vous montrer la grille. Euh, là, on a d'autres modèles, vous voyez, de... des petits lapins. Bon, ça, c'est de la pub. Le courrier des lecteurs avec les broderies qu'ils ont fait. Ça, j'aime bien, des fois, regarder les broderies qu'ils font. Je n'ai toujours pas euh, fait pour essayer d'envoyer euh, les miennes, celles que j'ai déjà faites chez eux, euh, pour euh, voir s'ils vont me mettre dans la revue. Pourquoi pas On essaiera ici euh, 55 heures pour faire ce joli tableau fleuri voilà donc oh, pardon je, vous, je vais montrer la grille là de la pub des marque pages voilà avec des petits chats très mignon alors il faut 15 à 16 heures environ par marque-page. Il va y avoir du point de croix, du, alors du fractionnal fractionnel ça doit être de la demi-croix, je pense. Du point arrière et du point neuf. Alors il y a d'autres euh, je crois qu'il y avait d'autres modèles, non? Euh, ouais, il y a d'autres modèles, mais bon... Alors je vous, les montre, je vous montre vite vite vite. Hop, voilà. Voyez, il y a d'autres modèles. Voilà. <laughs> c'est parce que je veux pas qu'il y ait de d'écran. Euh... J'aime bien c'est ce celui-ci. Pour tenir votre tambour, il est chouette aussi. Bon, alors là une grande pub. Ici, euh, alors c'est pour faire une boîte. Voilà. Alors il faut 5 à 10 heures. 5 à 10 heures Il y a quand même... Euh... On fait que ça alors. Je ne sais pas. 2 euh... Alors, Je pense que qu'il se fait sur une toile plastifiée. Euh, Est-ce que c'est marqué quelque part euh, Oui, voilà. C'est euh, une broderie faite avec une toile plastifiée. Et après, vous voyez, on vous explique comment euh, coudre euh, la boîte pour que ça fasse une boîte. Voilà. Ah, ben, le voilà, celui que je vous disais que j'aimais bien. Bon, il, a, il prend de la place, peut-être. Hein. Mais ben, si vous avez un mari bricoleur qui s'est soudé tout ça, euh, ça peut, je pense que ça peut se faire. Ici, alors, ben, ça va être Pâques, hein, donc on va avoir des petites cartes sur le thème de Pâques. Voilà, les petits poussins, une croix, les petits lapins, le mouton. Hop, je cache les grilles. Ici, on va avoir une petite broderie posée sur un tambour euh, avec un papillon. Ici, euh, un article sur une brodeuse. Quelques articles sur des techniques. Oh, là, je l'aime pas. Il n'est pas. Non, il n'est pas top top. Ça arrive. Hein <laughs> Ici. Alors. Euh, une petite broderie comme ça. En genre panneau. Ou alors, ça, c'est. Ah non, 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 non. Je me trompe. Désolé, excusez-moi. C'est un cadeau, ça. Que... enfin c'est pas un cadeau c'est parce qu'ils vendent des une boîte de boîte de broderie luxe voilà 65 valeur 65 livres mais vous en payez 45 voilà et du coup dedans il y a cette broderie à faire et puis d'autres choses des ciseaux un... Une boîte pour y mettre les aiguilles. Oh elle est chouette, elle a l'air bien cette boîte. Attendez, je ne sais pas si je vais savoir où la zoomer. Oui. Ah, elle est cool. Euh, voilà. Donc ça c'est une, une plume. Ici, pour faire un joli coussin avec deux jolies plumes remplies de points arrière. Donc là euh, ceux qui n'aiment pas le poids arrière, euh, bah là, euh, <laughs> c'est râpé. Hein. Voilà, mais elles sont très jolies. Et il faut 70 heures environ pour le faire. Ici, c'est le, le sale de Duran Jones. Donc là, on a l'étape 4, cette fois-ci. Voilà, donc l'étape qui est ici. Des petites cartes. Voilà. Enfin, pour, bah, regardez, si vous voulez envoyer une carte, quelqu'un qui déménage, qui arrive dans une nouvelle maison, euh, voilà, qui fait des travaux. Tout mignon. Ici, on va avoir bah, des petites lettres à broder. Regardez, là, ils les ont mis sur des cupcakes. voilà euh, bon c'est de la pub et euh, ici c'est pareil c'est de la pub sur des, des broderies qui sont en vente et le mois prochain alors ça sortira le 20 mars voilà et donc ce sera avril mai c'est la revue du mois de mai euh, avoir encore des jolies choses à ah, va y avoir une broderie de mariage euh, de jardin d'apothicaire. Euh, ça a ah, les, les fées, les, euh, je sais plus comment on les appelle. Euh, bon, là c'est la lavender Fair, euh, fairies, mais je sais que c'est tout. Il ya toute une collection comme ça. Il va y avoir encore du du marque page voilà et ici c'est des petites explications pour comment broder voilà avec la petite la mini mini broderie <laughs> du mois mais les toutous sont pas sont pas vraiment top 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 hein, cette fois ci voilà euh là on vous montre ben on vous dit déjà ceux-là ils sont plus en vente voilà ça c'est celui qu'on a eu le mois dernier donc euh, au mois de mars voilà j'ai envie alors je les ai vus euh, j'ai pas envie de l'acheter tous les mois hein. mais j'ai envie d'en prendre un euh, pour voir ce que ça donne celui, cette revue là, c'est une revue euh, sur la broderie euh, traditionnelle, on va dire. Euh, et j'ai bien envie euh, un de ces jours d'en prendre une pour voir ce que ça donne, ce qu y a, ce que les modèles qu'il y a dedans, les choses comme ça. Euh, je verrai. Le mois prochain, peut-être, je, je verrai. Et, mais j'ai bien envie d'essayer d'en prendre une pour voir. Euh, Comment cette revue est faite, oui, voilà. Là, je vois qu'il y a des cadeaux dedans, il y a du fil. On verra. Donc voilà. Bah écoutez, voilà la revue que je vous ai présentée aujourd'hui, donc celle du mois d'avril, avec ces deux cadeaux, donc une broderie ici à faire et le petit porte clés Voilà. Donc, euh, vous, je vais vous remettre en barre d'infos le, les liens. Pour vous retrouver ces revues, euh, alors euh, comme j'avais dit, maintenant euh, ils ont changé de, de boutique pour vendre les revues. Euh, et sur la nouvelle, euh, on ne je, à moins que j'ai mal regardé, mais je ne vois que les trois derniers à chaque fois, euh, donc voilà. Mais sinon, vous avez l'application, et sur l'application, bah, vous pouvez acheter. Toutes les revues qui existent, alors soit par lot ou soit une à une, euh, mais bien sûr, là vous les aurez pas en papier, vous les aurez dans votre tablette ou votre ordinateur, euh, mais du coup vous n'aurez pas non plus les cadeaux. Mais vous aurez euh, dans la revue, vous, comme vous avez pu voir, on retrouve euh, le patron. Voilà, donc vous n'aurez pas le, le cadeau euh, comme ça, mais vous aurez euh, tout au moins le patron et toutes les explications. Voilà, j'ai plus de voix. Donc je vais vous laisser, je vais aller boire un coup, j'ai soif. Et en attendant, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.